Allez, salut, c'est Julien, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je t'emmène vite fait te balader avec moi et Jacqueline. On va faire une petite vidéo, rien que toi et moi, rien que vous et moi. Ça changera un petit peu des vidéos balades avec l'assistant Jovis Bikers. Alors là, je viens d'aller m'arrêter boire une petite bière. Je profite de ce joli soleil. Et nous sommes, on va pas dire enfin, mais nous sommes rentrés dans l'automne. Comme tu peux le voir avec le feuillage des arbres. Et je me suis dit, j'allais te faire une petite vidéo de ces belles couleurs. Aujourd'hui, il y a un peu de soleil, on n'a pas été très gâté dernièrement. Et puis, je me suis dit également que bon, allez hop, c'est le moment de peut-être refaire un peu de photos pour Jacqueline. Excuse-moi, je tousse. Donc, faire quelques petites photos donc, avec Jacqueline. Ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas photographié. Et ça permettra de te proposer un peu de contenu. Ça fait longtemps que j'ai pas posté. Alors, ce sera une petite vidéo courte aujourd'hui. Ça me permet de faire également des petites finitions, des fignolages, de réglages d'enregistreurs que je mets dans mon sac à l'arrière. Alors, je commence cette vidéo par le retour. Je me suis arrêté boire une petite bière, donc tu auras un petit blabla juste après. Donc la vidéo n'est pas dans l'ordre, parce que j'ai commencé à faire la vidéo en partant de la maison. Et puis je me suis dit, tiens, je vais tester de mettre l'enregistreur en automatique pour voir un peu, pour faire l'expérience. Et d'après le peu que j'ai entendu au bar, hein, j'ai écouté un petit peu mes rushs, j'ai l'impression en fin de compte que ça saturait beaucoup. Donc bon, bah, là je refais une deuxième version. Alors j'ai déjà été boire ma bière, normalement c'est je vais boire une bière. Donc j'ai déjà été boire ma bière et donc je t'ai fait un petit récapitulatif des futures vidéos qui vont se passer sur ma chaîne. Alors bah, comme d'habitude, hein, mets ton petit pouce en l'air, ton petit commentaire qui fait plaisir. Et puis si tu es nouveau, eh ben, n'hésite pas à t'abonner, ça me fera un grand plaisir. On va essayer d'agrandir encore plus la communauté Royal Enfield autour de Jacqueline. Jacqueline qui a 5000 km passés, hein, j'ai dû le dire dans les autres vidéos. Ce sera l'occasion de faire une vidéo chez le concessionnaire Ride Attitude, donc de Pont-Sainte-Maxence, où je l'ai acheté. Hein. On ira voir donc Philippe, le gérant, et donc son mécanicien Max. Ils m'ont autorisé tous les deux à faire quelques petites images lors du passage sur le billard de Jacqueline pour la révision. Ça va être sympa, je pense. Et je t'annonce également que tu vas bientôt avoir une vidéo qui va suivre celle-ci, je pense. Avec son Clovis Bikers, on organise une petite balade pour Halloween. On est 49 bécanes. Et puis on va faire un parcours autour du Soissonnais. Et on va aller délivrer de la peur et surtout distribuer des bonbons aux enfants. Alors on a mis des affiches un peu partout. Je peux aller par là, ça c'est moche. Hop, je freine. Regarde là comme c'est beau ça. Regarde là, tu prends là dedans, regarde la belle feuille qui va bien là, pour bien te casser là. Gueule. Hein. Donc voilà, on est en automne. Voilà. Alors qu'est-ce que je disais d'autre, je sais même plus. Je te disais que je faisais un petit tour en moto, ça c'est fait. Je te disais que c'était l'horaire, c'était l'automne, ça c'est fait. Je t'annonce la prochaine vidéo donc à Halloween, voilà, donc on fait une belle balade avec le groupe. On va donner des bonbons, donc je te ferai une belle petite vidéo de tout ça, tu verras, ça va être cool, on est tous déguisés un petit peu en squelette, en ce que tu veux. Voilà, voilà, on fera une des prochaines vidéos. Comme je te disais juste avant aussi, il y aura une vidéo sur la révision de Jacqueline. Alors là, je parle avec mon micro, hein, comme je t'ai déjà expliqué sur... 4 vidéos en arrière, on est toujours sur le road, j'ai la bonnette et puis je suis en visière fermée et je me suis rendu compte ben, que j'avais un son plus qu'acceptable. Alors il y a toujours un petit peu de vent, hein, on est en moto, hein. Puis quelque part ça rajoute un petit peu de d'immersion qu'il y a un petit peu de vent, hein, on peut pas faire autrement, hein, parce que là je suis fermé, là, si j'ouvre, attends, hop, on va des vitesses, voilà, là je suis en visière ouverte. Donc bon là je roule pas vite, hein, je suis à 30-40 et tu vois tout de suite que le son est un peu plus aigu, un peu moins renfermé déjà. Allez, on va y arriver ma mère, allez ma mère.
et j'entends un petit peu le vent qui passe, hein, tout simplement. C'est, je suis sur un casque rétro, hein, Bitwell. Donc bon, bah, la sonorisation, c'est pas son fort. Contrairement à des casques faits pour ça. Hein. Oh, du saucisson. Ah non, c'est des bons becs. Enfin bref. Je sais plus ce que je te disais. Décidément. Enfin bon, bref, c'était une petite vidéo vite fait, histoire de te faire un petit coucou, histoire de mettre un peu de contenu. T'annoncer aussi les futurs. Attention, chat, passe pas. Hein. T'annoncer les futurs projets, futures vidéos que je vais faire. Hein. Et puis, comme tu vas le voir juste après, je vais te mettre le petit passage où je blablatais avec ma bière, où je te racontais un peu les futures vidéos, les envies, ce que j'aimerais faire pour l'année prochaine, on va dire la saison prochaine, si on peut dire. Hein. Alors t'inquiète pas, je roulerai aussi cet hiver, un peu moins, mais je roulerai quand même, t'en fais pas, t'auras quand même ta petite vidéo pour combler tes soirées un peu tristes ou ton attente dans le métro ou ce que tu veux, enfin bref, voilà. Si la petite question que j'aimerais te poser aussi, ça peut être sympa, parce qu'on arrive, je pense, vers la fin de cette vidéo, hein, je sais pas, t'es pas en 3 heures, si t'as, je sais pas, une idée, un sujet que t'aimerais me proposer de sur vidéo, n'hésite pas, j'essaierai de faire quelque chose, d'écouter ce que vous me réclamez, entre guillemets, j'essaierai de vous faire un truc bien, voilà, donc n'hésite pas, tu mets en commentaire, tiens Julien, ça serait bien que tu puisses parler de ça, ou tiens, pourquoi pas faire ça, au contraire, moi je suis friand de tous ces petits conseils là, qui améliorent les choses, quoi, et puis surtout qui pourraient peut-être répondre à vos questions, hein, j'ai beaucoup de commentaires de personnes, hein, merci à vous d'ailleurs, qui me pose des questions, hein, là je viens d'avoir le permis, etc. Ou j'ai le permis depuis longtemps et puis j'aimerais racheter un petit truc et je tombe amoureux de la Royal Enfield, essaye-la, tu verras que tu vas pas tomber amoureux, tu vas vouloir lâcher tout de suite. Surtout au prix qu'elle coûte. Et pour l'agrément de conduite, etc. Bref. Tout ça, je fais que de le dire, mais bon. Oh, c'est beau là, le lever de Piaf qui s'envole, je pense pas que tu vas le voir. Avec la GoPro, c'est toujours un peu large. Enfin bon. Là, je me perds un petit peu dans le village. Enfin, dans un village alentour de chez moi, hein, puisant Retz. Ça me remet 20 ans en arrière, où je venais ici avec ma Renault 5 GTL. Avec tout le matos. Avec tout le matos. Tu vois, là, tu entends le vent, là. Tu vois, je l'entends un peu, donc toi, tu ne peux pas entendre du vent. Donc, quand je venais avec ma Renault 5 GTL remplie de matos, de guitare, etc., pour les jouer avec Les Beul, mon groupe, quand j'étais jeune, groupe de musique. Enfin bref, d'ailleurs je vous fais un coucou Les Beul, Xavier, Flavien et Régis. Enfin bon. Et puis, je sais plus ce que je disais à force. Hein. Alors ce qu'il faut se dire, souvent j'ai un petit thème en tête hein, quand je pars de balader, bon à moins que ce soit une balade, mais souvent ces petits blabla, les discussions avec vous et Jacqueline, je pars avec une idée et puis je raconte mes conneries, hein. Ça vient comme ça, j'écris pas spécialement de grandes lignes. Je fais ma petite sortie, puis je vous propose ces petites 10 minutes de vidéo, des fois 15, ça dépend, ça déborde. Hein. Et puis ces belles images d'automne, tout simplement. En espérant que l'année de prochaine, soit un peu plus libéré au niveau d'un, vous savez, le Covid, etc. Ça rentre dans l'ordre. Oui, les crabillons là. Et puis que la vie reprend son cours. Et puis donc avec plein de projets, hein, comme je vous l'ai dit, comme je vais vous le dire dans la fin de cette vidéo, là où je bois mon coup, tu comprends pas ce que je veux dire, mais pour résumer, simple, hein, je dis pas que t'es bête, hein, c'est que je suis parti de chez moi, j'ai fait un blabla, comme je suis en train de faire, et puis je pensais m'arrêter, boire ma bière, et puis finir la vidéo par mon blabla, la bière, etc. Et puis en buvant ma bière, j'ai écouté les rushs enregistrement de mon enregistreur, que je t'ai dit... Je l'ai mis en auto, puis en fin de compte, c'est pas convaincant. Donc là, je repars à la maison tranquillement, puis je fais une deuxième, on va dire, vidéo, deuxième introduction, qui est faite, en fin de compte, après. Donc, décidément, j'ai du mal à me faire comprendre. Je pense que tu m'as compris. Hein. En gros, ce que tu vas voir après, je vais tourner avant. Voilà. Je sais pas quoi te dire d'autre de plus, à part que je suis content... Tous les jours j'ai un abonné ou deux de plus, j'ai souvent des commentaires, ça fait vraiment plaisir. Je pensais pas avoir autant de commentaires, etc. Je faisais un peu ça pour me faire des souvenirs et puis m'entraîner. Hein, parce que comme je vous l'ai dit,
À côté, je suis photographe, et puis bon, bah, je fais de la vidéo aussi, bien sûr. Alors attention, quand je dis photographe, je fais de la vidéo, hein, je suis pas une boîte de production à l'américaine, hein, avec mes moyens, attention, hein, je suis auto-entrepreneur. D'ailleurs, tiens, je t'invite, là, il y a le i, il est là plutôt, en haut, là. Ou même, tu vois, tu cherches, hein, c'est pas dur, hein, sur ma chaîne YouTube. Je te propose, si t'es un peu attiré vers tout ce qui est un peu photo ou vidéo, ou tu veux voir un peu peut-être les projets que j'ai pu faire, eh ben, je t'invite à aller sur ma page secondaire ou principale, hein, Studio Julien S. Et j'ai posté déjà d'ailleurs, hier avant-hier, une vidéo partenariale que j'ai fait avec un garage moto qui est partenaire maintenant avec l'association Clovis Bikers. Et puis tu verras un petit peu ce que je peux faire, voilà, un peu à côté. Voilà, n'hésite pas à aller faire un tour, ça me fera plaisir. Tu peux t'abonner aussi, hein, ça fera, voilà, hein, tout simplement. Et bien donc, comme je viens de te le dire, hein, juste avant que je fasse le petit flash blanc et puis que la musique là s'arrête, bah, je m'arrêtais pour boire une petite bière, chose faite. Bon, ouais, je suis un peu à l'ombre, c'est bien. Il y a un arbre qui me cache. Bah, après, donc, bah, santé à toi, tiens. Et on est posé là, tranquille. C'est bien. Donc, comme je te disais aussi, pareil, il y a une voiture qui tourne. Comme je te le disais tout à l'heure, après la petite bière tranquille, je vais trouver un bel endroit là pour aller faire quelques petites photos. Et puis je vais me rentrer tranquillement. Ça te fera une vidéo pas trop longue aujourd'hui. Là, je t'annonce aussi, je vais bientôt sortir, faut qu'on le fasse, hein, dimanche, on fait une balade avec l'association Clovis Bikers. On fait Halloween, donc on a organisé une grosse balade, on est 49 motos exactement. On dépasse pas 50 parce que on a fait une demande en sous-préfecture, ça ne s'est pas passé, enfin bref. Donc 49 bécanes, et puis on passe dans pas mal de petits villages autour de 71 habitants. Et puis on va offrir des bons becs aux enfants, donc on a fait toute une des affiches, etc. Toute une publicité autour de ça, ça va être sympa. Donc bah, je te ferai une petite vidéo, tout ça tu verras, ça va changer un petit peu, ça sera original. Bah, tu verras dans les vidéos à venir, ça se passe dimanche là. Enfin, voilà. Alors là on arrive en l'hiver, hein, bien sûr, hein. Tu te doutes que bah, je vais rouler un peu moins, c'est logique. Déjà parce que j'ai pas envie de mettre trop de bornes à Jacqueline. Et puis bon, tu sais que je suis un trouillard aussi, donc j'ai pas envie de foutre la bécane par terre, hein. Plus il fait froid, plus ben, ça gèle, plus il y a des feuilles, etc. Donc j'ai un peu moins roulé, mais je roulerai quand même, t'inquiète pas, hein, des petites balles comme ça. Et puis ça repartira beaucoup plus, je pense, hein, l'année prochaine. Avec l'année prochaine, ce que j'aimerais faire pour l'année, on va dire la nouvelle saison, c'est passer un petit peu maintenant customisation de Jacqueline. Passer un petit peu à essayer de l'équiper un petit peu. Alors j'ai réfléchi à ça, changer, pas ça, etc. Donc je commence à faire mes choix. J'aimerais bien changer ces échappements. Même si là, avec 5000 bornes, commence à pétarder bien comme il faut, mais j'aimerais bien quand même changer les échappements. Partir sur des zardes, j'aime bien. J'aimerais aussi me payer une paire de sacoches à l'arrière en rigide. Chez JV, bon, ils font ça. J'aimerais aussi un saut de vent à l'avant, un petit saut de vent, ils font ça comme je vous ai marqué sur une vidéo. Alors la marque c'est Dart. Attends, je te remets tout ça à côté. Et puis peut-être changer le guidon. J'aimerais un guidon un peu plus bélier, un peu plus syrien vers moi, un peu plus large. Enfin, faut que je teste, on verra, faut que ça fasse non plus dégueulasse. Voilà au niveau de ça pour Jacqueline. Et puis peut-être un filtre air, j'aimerais bien l'année prochaine. Peut-être changer le filtre air en même temps que l'échappement. Et puis changer les pneus surtout. Parce que les pneus ils sont pas super. Enfin, je ne me sens pas en confiance, hein, depuis que j'ai glissé un petit peu à l'avant et à l'arrière en sortant de la révision des 500, là, des 1000. Enfin, j'ai fait même ça à 1000. Puis bon, avec les avis, hein, avec vos avis aussi, hein, on partira sur des bons pneus. Je pense que je partirai sur des Avon. J'aime bien, ils ont un beau dessin. Puis en plus, il paraît qu'ils sont bien. Donc voilà pour les modifications l'année prochaine que j'entreprends pour Jacqueline. Sacoche. Porte-paquet à l'arrière, vous savez, ceux qui font souvent chromer là, pour pouvoir mettre un sac, histoire de libérer le dos. C'est pas grave, j'aimerais bien. Et puis on verra après. Mais voilà, pour les grosses lignes, ce sera ça. Enfin bon, ça fait beaucoup de blabla tout ça. Hein. Allez, à la prochaine. Et puis bah, là, juste après, je te mets un petit fond musical et puis je te mets le petit diaporama qui va bien de Jacqueline. Allez, salut. Bah, je me rends compte en fin de compte que j'ai pas été faire de photos de Jacqueline.
Bah ça sera pour la prochaine, parce que je t'avoue qu'elle est un peu dégueulasse, pleine de mouches, etc. Donc, ça sera pour la prochaine quand elle sera propre. T'es d'accord avec moi? En même temps, si t'es pas d'accord, ben c'est comme ça. Allez, salut, c'était Julien. Et surtout, vous roulez safe. On n'a qu'une seule vie.